Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo légèrement différente. Alors déjà, je change le téléphone de sens puisque vous allez voir, cette vidéo va être au format portrait. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux depuis la dernière vidéo. J'ai fait beaucoup de choses, notamment des choses comme ça. Et je voulais vous montrer ce qui allait arriver sur la chaîne YouTube. Je vous laisse regarder, il y a pas mal de choses très intéressantes, je trouve. Maintenant, bah, vous me direz en commentaire de cette vidéo. Ce sera rare, les vidéos comme ça, mais comme vous êtes beaucoup plus nombreux à me suivre sur YouTube que sur les réseaux sociaux, je tenais à vous montrer quand même ce que j'avais fait. Avec un autre encore plus joli que vous avez dû voir sur la vignette. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Allez, à plus tard. Et bonne vidéo surtout. Salut! Des gabarits Kumiko, mais je vous expliquerai tout un peu plus tard. Pour l'instant, encore un peu de patience. On va finir ça, et puis après, j'ai encore autre chose à faire, et puis vous verrez ça en story et sur mes posts. Continuez à me suivre, et puis vous verrez tout. Allez, à plus. Salut. Châtaignier, sapin, chêne, tilleul, merisier, qui est magnifique d'ailleurs. Bon, je testerai les frisages des symétries, des inversés, etc., etc. Par contre, il faut que je me renseigne encore parce que je ne sais pas s'il y a des épaisseurs à respecter quand on travaille avec du bois debout. D'ailleurs, dites-le moi si vous le savez, là, vous m'envoyez un petit message. Et puis sinon, ben, je reprends mon rabot et puis je veux finir les quelques-uns là qu'il y a, hop, ici, là, au bout. Et comme ça, après, je peux pratiquer. Allez, à plus tard. Salut. Bon, j'ai pas résisté. J'ai pris quatre plaquettes, je les ai accrochées avec du papier gommé. Et ça donne ça. Je pense qu'on peut faire des choses sympas avec ça. Thank you.
Salut! Bon. Allez, en plus des petites vidéos, je voulais vous montrer ça parce que je viens de finir ces deux-là. Alors, il n'est pas fini. Il est plus complexe que les petits exercices que j'ai fait jusque-là. Je me suis fabriqué un gabarit, mais vous verrez ça plus tard, pour réaliser tous ces petits assemblages, sans que ça casse surtout, parce que c'est vraiment fragile. Et là, c'est assemblé, mais c'est pas collé. Et je dois dire que le résultat, pour l'instant, est top. J'ai pas fini. Sur celui-ci, j'aimerais remplir toutes les cases pour tester des modèles différents, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt joli. S'il y a des défauts, il y en a très peu. Je vous mets des photos, vous verrez ça. Vous voulez voir? Allez, je vous montre. Je mettrai quelques photos après. La première partie que j'avais déjà fait, la seconde qui était faite aussi, mais j'ai modifié les parties qui étaient faites avec du plaquage. C'est joli, mais j'avais envie d'essayer autre chose et je trouvais pas ça extra pour ce modèle-là. Et la dernière partie, beaucoup plus complexe, mais j'ai adoré la faire. Et le look, franchement, est chouette. Entre le chêne, le tilleul et là, c'est du noyer. Franchement, le résultat, moi j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais moi, je continue à apprendre, j'ai d'autres projets à réaliser avant de pouvoir vous montrer tout ça en détail. Mais le résultat, je trouve ça, mais alors, sublime. Allez, à plus tard. Salut. Là, c'est un contreplaqué que j'ai plaqué d'un côté avec un plaquage teinté rouge et de l'autre côté un plaquage naturel. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que c'est parfaitement collé avec les poches sous vide. Ça fonctionne super bien et tout le long, c'est comme ça.